Tiens, j'ai une idée. Tu mets les lunettes sur les oreilles et je mets les casques, je mets le casque sur les yeux. Le cax. Ça te vaut pas? C'est un plan, hein. C'est Ah oui, bon. c'est vrai, c'est bien. Et on a le nouvel avatar, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Oh là Ah là, bah. le mec, il a tout, il a tout. C'est fou que tu aies tout comme Mais ça. regarde, il prend juste des coups, il fait. Mec, tu t'appelles Magic Arena FR VIP, on joue depuis un yacht, vous le voyez pas parce qu'il y a un fond vert, mais on est sur un yacht, les gars. On fait un peu ça pour montrer qu'il y a de la houle. The boat. Land, durée, si tu enlèves le truc. Excusez-moi. Mec, mais c'est fou. Excusez-moi. Allez, enlève sa mancaille. Parce que sinon, il nous beat Mais down. c'est dingue, dingue! Oh putain, je me Après. suis frappé, gros. Mais. Mais c'est dingue! Oh, le mec s'est rossé. Mais ne te rosse pas, Val, j'ai besoin de toi. Il faut au moins finir cette game. Mec est fou quoi. Et la perspicacité sans âge, ça c'est une tech de Gabriel Nassif qu'il a expérimenté dans le White Aura et qui est maintenant entré dans tous les plans de jeu Bant. Ça permet qu'à chaque fois que vous deviez piocher une carte en plus de votre première carte, vous piochez deux. Bah littéralement, si vous avez ça dans un miroir, dans un mirror match et que votre adversaire ne l'a pas, vous avez un instant de gagner. C'est marrant l'illustration, j'avais pas capté, mais c'est le bras de Teferi avec son bâton qui sort comme ça. Bah Et genre il j'imagine arrive. qu'il va mettre un espèce de petit coup de sceptre à quelqu'un, tu vois. Il te met un coco, il s'en va, Alors tu il se sais. dit, ah, il C'est y a quelques juste. années, j'étais un peu con, je vais me mettre un petit coup, ça va réveiller, Il tu y a vois. juste le portail qui s'ouvre. Tu sais, tu es en train de dire une connerie. Genre, je suis en train de dire une connerie en vidéo. Il y a un portail qui s'ouvre. Je prends un coco de Teferi et ça s'en va, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. C'est maintenant, les gars. On a combien de mana? On a 9 mana. Je vais en avoir plus avec Hibou. Tu vas voir. Oh putain, il est gratuit ce hibou. Il est Trouve gratuit. corridor. On est parti? Vas-y, vas-y. Parce que là, on peut partir, on peut tuer. Hein. Jusqu'à ce qu'il fetch son île pour faire dispute. C'est bien dommage que cet hibou n'ait C'est pas trouvé très un corridor. dommage. Tu peux re-hibou. Je peux re-hibou, mais il faut engager d'abord ça. Tu regardes les combien de cartes du dessus? 4? 4. Je re-hibou ou pas? Oui. C'est mieux que d'aller chercher avec Gadwick, non? Bah ouais. On prend le mana? Bah ouais. Vas-y, prends. Prenons tout. Je le prends. Tu pouvais faire 4 mana blancs aussi. Hibou. Hibou. Donne-moi un corridor, s'il te plaît. Le jeu commence pas à jouer avec moi. Reste de flex. Putain, sur 8 cartes quoi. C'est encore possible. Bah fais augure. Parce que t'auras pas le mana pour faire Gadwick, j'engage. Toute façon, il veut juste jouer une bête et nous tuer là. Si on part pas en couille. Parce que là, tu fais du mana hein, si tu trouves un corridor. C'est. T'avais pas landé? Non. Donc c'est encore possible. Tu peux faire. Augure, ouais, trouver. Si on trouve corridor, on gagne cette game, je te le dis. Ah, c'est Voilà. call, c'est C'est sûr. le méga call. C'est maintenant, les gars. Ouais. Ça, c'est la main de la win, ça. Parce qu'il y a lui aussi là. Tu penses qu'il aide Un pas? ça. Même pas capable de Ça ne se voler. voit pas que c'est un con. Il t'a Il est regardé comme content ça. là. Ouais, Tu lui as dit ouais. c'est un con, il t'a souri, il a souri à la vie, tu vois. Laisse tomber. J'aime bien ça. Oh putain, j'ai cru qu'il allait Il y a yèche. une phrase qui dit heureux sont les imbéciles et ce dragon c'est ça en fait. Il est très heureux lui. Ouais. Très ignorant, du coup très heureux. Tu ne sais pas dans quel monde on vit, petit dragon. Tu ne sais pas que toi et les tiens vous êtes pourchassés. Tu es encore innocent. Bête de quête, anti-bête, go? Ouais, Allez. ça me va. Mais très très cool comme deck. Désolé, il y a un hélico. Tu peux. Et encore, je suis persuadé qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont vu des lignes que nous on n'a pas vues. C'est-à-dire que déjà on Ouais. avait des lignes qui étaient quand même vraiment sympas, et il y a moyen de faire encore pire quoi. Comme sur la première game, la ligne que tu vois dès le début où on aurait pu vraiment se mettre doux quoi. Ouais. Si j'ai déjà entendu l'hélico, sachez que tout est fermé. Donc c'est que vraiment il est très près. Ah bah l'hélico là, il est à ta fenêtre. T'ouvres la fenêtre, tu Ouais. salues le pilote. Ça va? Ouais. Tenez, une bière fraîche! Merci! Ça se passe comme Il ça aux repart. États-Unis, non? Ah mais tous les matins, moi j'ai un mec qui vient me demander une beach. Une bière fraîche. Je lui dis, mais vous pouvez avec un. Enfin vous êtes pilote d'hélico? Il dit je m'en fous. Putain. Il Je rentre les suis pales parce dingue. que sinon les pales, elles font ça contre ton mur. Ouais, tout 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 tout. Ouais, ça, en fait il y a un. C'est C'est un raboté, quoi. un trait. Tu sais, genre il y a un trou. Mais vraiment plat. Parce que à chaque fois, il met ses pales au même endroit. Ouais, la pale, elle va tout le temps Ça dans dégage. le. C'est un gareur de pales, quoi. Trop Bien joué. fort. Tu veux tenir ton top 1200? Je vais juste
Tryhard de la meule. Mec, faire comme ça. Mais en vrai, il est trop bien ce deck-là. Ça, genre, c'est la tête des joueurs de meule, hein, faut le savoir. Mais ça, en fait, c'est, faut pas être un joueur de meule, faut juste aimer jouer un deck contrôle qui a. Faut un juste plan aimer de jeu, la victoire. Déjà. Qui a un plan de jeu alternatif. Oh là là, mais j'ai. Oh, je suis régalé. Tu sais quoi, je suis régalé. Oh, avec la dispute. Ah, mais vas-y, allez. Ciao. Et ça, c'est le platine, ça. Oh, c'est vrai. C'est le meilleur deck, gros. Mec, ça partait tellement mal. Salto. Incroyable. Exceptionnel. On a fait en décalé, mais on arrive en même temps. C'est-à-dire que j'ai sauté plus haut. Incroyable. Ah, c'est formidable. Félicitations. C'est le meilleur deck. Ah, c'est... Je le jouerai plus jamais. C'est la fin de cette vidéo. Après, j'ai vu les joueurs jouer et tout. Il n'y a personne qui a cloqué, qui a clock out avec le deck. Hein. Ouais. C'est juste que nous, c'est notre première prise en main. On est en vidéo, en train de parler. Voilà, il faut... Sinon, le deck est pas... Pardonnez, je vous ai pété les oreilles, je pense. Oh, écoute, on prend, y a pas de problème. Mais tu pourras refaire de la dévotion, tu pourras faire. Mais imagine sur le dossier en bas qu'il y a un petit hibou et tout. Easy, ouais, frais, quoi. Ouais. Frais, je sais pas, mais. Mais il se passe des trucs. Voilà, il a quand même bien une créature en main. Un combat de lotus, ça nous tue. Moi, je te dis, il en a pas. Omae wa mou shinde iru. Nani? Ça sera cuté au montage. Non. Il peut jouer des tomes, il peut jouer quoi lui que t'as envie de tuer? Non, ah, il peut jouer ses Timaret Calls Dead et tout. Non, mets d'abord le mammouth alors. Mets le mammouth et tu feras grossir l'escogriffe. Le mammouth? Allez. Non, j'ai que 6 mana. Et pourquoi Omnath du coup ici? Pour piocher une carte. Ok. Ça c'était trop bien. Ça nous sauvait le cul, ouais. Dommage. RIP, les oreilles. Adieu. Bantu. Bantu Last Reckoning. Bonne carte, ça d'ailleurs. En draft, en tout cas. Très bonne carte. Il va la chercher. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un sweeper. Pour ne pas avoir concédé. Sweeper? Arrête de sweeper. Bien, Val. Je sais pas si ça a marché. Hein. Bon, on tue pas, quoi. Ah bah, on va voir. Non. Oh non. Quoi? Oh non, tu l'as mis en land. Mais il faut pas. C'est pour faire l'ultimatum. Mais on n'a pas le mana rouge. Ah si, si, avec si, pardon. Avec Scobra. Ah. Oh, j'ai eu peur. Non, moi, je croyais qu'on allait le jouer en spell. Non, non. Il arrive engagé. Non, dégagé. Mais le dégager, on sait jamais, ouais. Si on est one-off, on va le regretter. Prends double rouge. Comme ça, on en a un drap pour tes murs d'épic. Terreur d'épic, pas tes murs. Pour l'autre ultimatum, surtout. Grave. Ouais. Bah putain, il manque un bleu. C'est pas vrai. Mais mec. Mais non. Mais on a fait n'importe quoi. Pas terreur d'épic. Il va refaire ça. Oh, mais c'est. On fait exprès ou quoi? Oh, on le fait exprès, le chat. Oh, le punt. Je crois qu'on va l'appeler le Legendary Punt. Et l'ultimo punt. Qui devait se passer si bien et qui se passe si mal. C'est dingue. Alors que l'autre game, on n'a même pas regardé ce qu'on faisait. Personne l'a dit dans le chat. Hein. J'ai joué à l'aveugle. Vous on êtes caressait, coupable tout autant que on nous. On caressait un chat, bordel. Et on a gagné, gros. Reviens, le chat. Je sais, oui, je l'entends. El Punto Magnifico. C'est une Fiat Punto. Ce stream. En vrai, c'est ok une Fiat Punto. Attends, ça peut venir devenir débile hein, quand même. Ben, en fait, comme il n'y a que lui qui est imbloquable, j'aurais aimé qu'en fait ça rende imbloquable tout le monde et qu'en plus ça fasse Obsession Curieuse. Ah, oh bah ben, ça va. Pour deux, ben tiens, oui, pour, ça deux, va. Pour, deux t'es, pour deux, t'es mort dans mon deck party, ça va. Ouais, c'est mais pas mal. Si t'es un full party. T'imagines? Ah, bah ouais, mais t'as le full party pour deux, t'es mort. Pour moi, full party, c'est le petit frère qui construit un château de cartes. Et en fait, la méta, ça va être juste le grand frère carré qui fait BAM et qui le casse. Ouais, mais si c'est pas ça.
Bah si c'est pas ça, non, je sais pas, j'aime pas. Bah si c'est pas ça et que ça faisait juste pour deux, tu bloques pas mon board et je te mets tout dans le groin plus je pioche 1000 cartes. Oui, ouais. C'est trop fort. Je sais pas, j'aime bien moi, hein, je trouve. Enfin, si on doit jouer partie, je trouve ça cool. Imagine, il y a 5 grands enfants. Après, il y a personne qui va venir mettre un couteau sur la gorge, genre, Val, tu joues partie. Je suis pas obligé. Mais bon, si l'archétype partie est cool, allez, let's go. Hein. Parlons de bonnes cartes. Je vais même te dire plus, je vais me moucher pendant cette vidéo. Mais n'hésite pas. Toujours le dernier cut à chaque fois qu'on te contrôle, c'est en fonction de sa DL, tu vois. En fonction de ce que le mec nous propose. Je vais pas me débarrasser de ce Covid, moi. Ça va? Bonne blague. On se serre la main? Pas l'air bien, même. Cartouche. Ouais, ouais. T'en lui mets une cartouche, là, non? Prends ça. J'y mets très bien une cartouche, mon Kenra. Le gros bof. C'est fait. J'ai l'impression qu'on galère pour faire des trucs pas ouf. Ah ouais, non. En même temps, il nous fait 1-4 dans 1-4 dans 2-4. Gros, on joue Boros, quoi. Avec des trucs qui ont max 3. Mais genre là, tu prends Monored de standard, il perd contre sa sortie. Puis on pioche bien, en plus. Il m'a saoulé, lui. Ah, mais il m'a saoulé. Ah, viens, on la concède. Il s'appelle Time Out, en plus. On va voir le prochain draw si c'est encore un land, on la concède. Ouais. On va juste se faire éclate. Ouais, ça m'amuse pas, moi, de souffrir, tu vois. Non, t'es pas venu ici pour ça. Non, non, non. Ça va. Mon cul aussi, non? Ton cul sur la commode, ouais. Ah ouais, mais sur toutes les commodes. Et là, la commode, elle est très très haute. On va aller tester ça directement sur l'AD. Exactement, régalade, on part tout le suite. Ouais, c'est génial, c'est en exclu. J'ai une demi-molle, on s'écoute ça tout de suite. Allez, c'est parti. Tu me l'as fait exactement comme ça en mode. Ouais, allez, c'est génial. Eh bah écoute, j'ai été fort hein, dans une autre vie, donc ça m'étonne pas. Allez, let's go.